Allez, c'est parti. Salut les fifous. Bon, pour la petite histoire, j'ai fait des vidéos déjà hier. Et en fait, je pensais avoir fait des vidéos et finalement, il m'a pris plein de photos. Multishot, je crois que ça s'appelle sur les GoPro. Ça fait une paye, je l'ai pas utilisé, cette GoPro là. Et je me suis fait avoir. Donc là, je rentre du boulot et je vais essayer de faire une vidéo atelier. Il y en a déjà certains qui l'ont fait. Je trouvais ça sympa l'idée, donc. Comme j'ai mon petit atelier aussi, je me suis dit que j'allais faire la même chose, ce serait sympa. Voilà. Donc moi c'est Ronan, vous me connaissez peut-être sous Rolosman 44 sur YouTube. Et sinon sur Facebook, bah, c'est Ronan, voilà, tout simplement. Et bah c'est parti. Faisons le petit tour de l'atelier. Hop. Donc on attaque direct sur mon plan de travail. Mon plan de travail, donc c'est quoi? Bon bah c'est deux tréteaux, des planches. J'ai bien un établi qui est super chouette par là-bas, là je sais pas si vous voyez bien, mais qui est super encombré aussi. Voilà. Donc j'ai improvisé ça, deux tréteaux, quatre planches et Zoubida pour pouvoir bricoler les RC. Zone de bricolage, c'est quoi? Bah, c'est un tapis de bricolage. Hein. Quelques outils, des stands, j'ai ma boîte de vis qui est par là, des cochonneries, du chiffon, des produits, par là-bas j'ai l'évier si je veux nettoyer. Et juste derrière moi, j'ai donc. Tiens, bah, j'ai lancé une charge, en fait elle l'a pas pris. Hop, batterie check, ouais. Hop, bah, et si je l'avance pas, ça marche moins bien. Voilà, donc là c'est la zone pour charger les batteries, juste là, hop, je vais me relever. Donc là je charge les batteries, le chargeur c'est un SkyRC Ultimate Duo. Je sais pas si vous allez bien voir, hop, je me rapproche un peu, voilà. 400 watts. J'ai acheté ça d'occasion sur le Bon Coin, parce que j'avais un petit connect multi 60+, qui allait pas si mal en soi, mais bon, un peu lent, et bah, dès qu'on a plusieurs batteries à charger, c'est vite compliqué, quoi. Donc avec ça, c'est franchement bien, c'est top. Voilà, donc ensuite, mes lipos que je range bah, dans des sacs à lipos, à côté j'ai toutes les télécommandes de toutes les voitures, du Arma, Dumbo RC, une autre Dumbo RC, là, des DF 350, je vous expliquerai quand je vous montrerai les voitures. Petite particularité, c'est celle-ci, là, c'est une Nikko, avec la petite bande, vous voyez là, les petites barrettes de bande, là. Et en fait, cette radio, j'ai trouvé ça cet été, dans une brocante, pour 5 euros. Et figurez-vous que ça a un différentiel à l'avant et à l'arrière, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Avec des vrais cardans et tout ça. Bon, ça a deux moteurs, donc ça veut dire si je veux. Là, c'est du brushed, hein. Si je veux le changer, il faut que je mette deux moteurs avec un vario. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, deux récepteurs, tout ça. Bref, passons. Et en dessous, ici, donc, c'est les caisses où j'ai rangé un peu par modèle. J'en ai pas 36 des modèles, donc j'ai rangé ça par modèle. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est plutôt les outils que j'utilise pas tout le temps, mais dont je peux avoir besoin. Là, c'est le Senton 6S. Là, c'est les roues. J'ai des huiles, tout ce qui est électrique. Là, c'est le Mojave. Là, en dessous, c'est le ZD Racing. Là, c'est des autocollants tout genre. C'est ça que j'utilise pour faire la déco de mes carrosseries en fait, hein, du Chatterton. Et bah, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Ça tient pas trop mal dans le temps vu ce que je fais avec. Donc franchement c'est cool, voilà. Et après c'est deux petites boîtes, j'ai une double Veltoise et une T2M, je vais vous montrer ça. Voilà. Et puis après quelques du matériel, hein, ben, des matériaux on va dire. Ça c'est de la moustiquaire. Vous allez voir, j'utilise ça pour le Mojave 4S et je pense que ça peut être pas mal aussi pour les barios, pour les ventilateurs. Des boîtes de rangement de visserie, j'ai des caoutchoucs qui me servent à faire des bavettes. Et puis voilà quoi, voilà, donc je me suis installé dans le garage. Allez, présentation des voitures. Et ben on va commencer la plus merdique, on va dire, à la meilleure. Allez, allons-y. Donc la plus merdique, c'est cette T2M. T2M Pirate XS. Voilà, c'est un peu. J'ai essayé de l'améliorer un peu comme je pouvais, parce que d'origine, bon, bah c'est des. C'est des amortisseurs sans huile, évidemment. Donc j'ai monté des amortisseurs à huile, j'ai changé un peu les roues, j'ai monté un. C'est du brush normalement, donc j'ai monté du brushless. Pas un truc très gros.
Ça va peut-être, ça prend 5 km/h de plus que ce que ça prend d'origine. J'ai noté ici, là, j'ai tout noté, ça prend 36 km/h, c'est donné pour 30 d'origine avec le Brecht. Voilà, donc un truc soft, on va dire. En soi, je suis pas trop emmerdé avec. Je suis assez surpris de le dire, mais je suis pas trop emmerdé avec. Si ce n'est que. Bah, en fait, on peut rien modifier parce que la transmission, elle est foireuse, tout est en plastique, il n'y a pas moyen de la modifier en prenant d'autres modèles parce qu'elle n'est pas foutue comme les autres modèles. Je pense à du WL Toys, un 18e qui est fait sensiblement pareil, mais en fait pas du tout, parce que là, comme ils ont monté le bac à batterie, on va y arriver, hein. Ils ont monté le bac à batterie là, en dessous, là-dessous. Et bah, du coup, ils ont rehaussé la transmission centrale et redescendu, enfin laissé en bas les différentiels avant et arrière. Donc, du coup, je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. J'ai essayé d'améliorer la direction, tout ça. Les cardans, j'ai trouvé. Alors, c'est bien des WL Toys pour le coup. Ça se monte dessus. Des cardans en métal. J'ai monté des roulements. Et puis, du coup, le petit combo Quick Run. C'est un quad, j'ai mis là-dedans. 16. 16 BL30, et le moteur c'est un 24-35 4500 kW. Voilà, j'ai monté la radio. Bah, je la pilote avec la Dumbo RC, la XE4. Ça va bien, ça va très bien. Voilà. Donc, en soi, c'est plus pour les enfants. Moi, je joue bien un peu avec, mais bon, c'est plus par dépit qu'autre chose. Voilà, pour cette T2M Pirate XS. On va y arriver. Ouais, si je te mets dans le bon sens, ça ira mieux. Hop. Ah, il y a les chiens qui aboient parce qu'il y a les voisins qui passent. Ils ont bien raison, les voisins, de se promener. On est à la campagne. Il y a plein de chemins. On va y arriver, oui. C'est fait pour se promener. Et de une. Alors les agrafes rouges, j'en avais acheté 4, j'en ai perdu 2, et depuis, du coup, j'ai monté ces petites pincettes, là, je sais pas comment on appelle ça, là, pour choper les agrafes. C'est pas mal du tout. Pareil, il fallait que j'atteigne une certaine somme pour avoir une remise sur un site, et bah, j'ai pris ça. Hop. Vendu. Donc ça, c'était la T2M. Suivante, c'est quoi? C'est celle-ci, la WL Toys. 10-4009, si je dis pas de bêtises. Hop. C'est la Brushed. Bon, j'ai remonté en brushless, j'ai pris le combo de la pirate. Non, pas de la pirate, j'ai de la ZD Racing DBX10 là, que je vous montrerai juste après, qui trône en haut de sa pile de pneus là-bas. Voilà. WLTOS, qu'en dire? C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Bon, le brushed, il chauffe énormément. Hein. Le brushed d'origine, il chauffe énormément et. On peut pas enchaîner les batteries, tout ça, enfin, ouais, l'autonomie est pas terrible, on fait peut-être une dizaine de minutes. Et ouais, non, c'est pas. Ça chauffe. Donc le brushless, ça va bien. Ça va très bien dedans. Seul gros inconvénient pour moi, c'est les cardans. Les cardans tiennent pas, ils pètent. Ils pètent en fait au niveau de. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils pètent à ce niveau-là en fait. Juste à ce niveau-là. C'est pas forcément le pin qui pète. Ça peut très bien être entre l'axe du cardan et le cardan lui-même qui est au bout. Voilà. Le plus souvent, c'est là que j'ai des casses. J'aurais aimé. Alors, il n'y a pas de slipper ou quoi que ce soit là-dessus. Hein, c'est tout en direct. Donc, j'aurais aimé lui monter soit un slipper, soit un diff central, mais j'ai pas encore trouvé la bonne solution. Je ne suis pas tellement cherché non plus. Donc, pour l'instant, on fait 100. Les upgrades sinon dessus, c'est quoi? J'ai monté cette, on va dire, une bash bar en dessous là, très utile parce que sinon ça pète là au niveau du châssis, vu que c'est un châssis en plastique. Quoi d'autre? Si, tourelle alu, et puis tout ce qui est les demi-trains comme ça là. Hop, comme ça là, tous les demi-trains, tout ça, j'ai tout monté en alu parce que sinon ça casse facilement. Après, bon, c'est déjà des triangles enfin des bras en alu d'origine, je les ai laissés comme ça, de toute façon je crois qu'on n'a pas le choix. J'ai pas eu de casse au niveau des cellules par rapport à ça, donc voilà, tant que ça marche, why not? Allez! La suivante, donc, ça va être la DBX10.
Ça a été la première que j'ai acheté en fait. Hein. Cette DBX10, pour la petite histoire, en fait, j'ai acheté des petites voitures recommandées, des jouets, hein, pas des vrais, pour mes enfants il y a 1 an et 2 mois. Et je les voyais jouer dans le jardin et je me suis dit, bah ouais, moi aussi je vais jouer avec eux. Et du coup, je regardais un peu dans les budgets, dans ce qui se faisait de sympa, pas trop cher. Et voilà, avec quand même une bonne vitesse, etc. Et j'ai trouvé ça et j'ai. Enfin, franchement, ça va bien. Bon, là, j'ai fait des améliorations dessus et finalement, j'ai plus de panne qu'autre chose. Mais d'origine, franchement, ça va bien. Le seul panne que j'ai pu avoir au début, c'est des pannes liées à des défauts de montage à l'usine. Où j'avais pas mal de BTR qui n'étaient pas serrés comme il faut, ou sans loctite, des choses comme ça. Et ouais, c'est surtout là que j'ai eu des pannes. Après, j'ai eu. Une première casse, ça a été un bras avant, et puis je connaissais rien à la RC à l'époque, on va dire ça comme ça, et je trouvais ça joli, c'est joli bras bleu, là on a lu et tout, et donc je me suis dit je vais monter ça, et le problème c'est qu'en fait j'arrête pas de péter ou de tordre des cales de train, voilà, bah, on le voit bien d'ailleurs ici, là je sais pas si vous allez bien le voir, celle-ci elle est tordue, tout vers le bas là, donc ça c'est l'effet des bras en alu, bah j'ai laissé comme ça, mais pff, ouais. Ça roule, voilà. Bon, si ce n'est que là, j'ai le pto qui a pété une biellette, là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc là, j'ai une biellette de pété. Bah, j'en ai d'avance, hein. Il suffit juste de la changer et ça repart. Mais ouais. Non, en soi, sinon, c'est une bonne bagnole. Bon, d'origine, elle n'est pas montée avec ces roues-là. Hein. D'origine, elle a des roues type crawler. Je vais vous montrer ça. Elles sont là. Hop. Voilà. Ce qu'elle a comme roue d'origine, c'est... C'est un peu plus gros, on va dire. Et c'est surtout, ouais, quand je dis des roues crawler, c'est des roues, pardon. C'est des roues, pour moi, ouais, c'est des roues crawler. Il n'y a pas d'autre mot. Et par contre, ça grimpe partout avec ça, c'est impressionnant. Dans le sap, partout, c'est une machine de guerre. Pour le coup, je dirais que c'est un recresseur, en fait. C'est vraiment un recresseur avec ces roues-là. Moi, je m'en sers plus comme buggy, un peu sur la piste, mais ça pète facilement. Ça peut être facilement sur la piste, donc le mieux c'est encore dans l'herbe, surtout avec ces roues-là, là c'est du AliExpress. Et dans l'herbe, ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. Pas trop de problèmes dessus, sinon transmission ça va. Ouais, et donc j'ai monté dedans le combo du Moyer 4S. Bon, je le roule principalement en 3S parce qu'en 4S j'arrache tout. Mais en 3S ça va bien. Et... Voilà, je vais monter une petite boîte radio étanche parce que bah, je roule partout. Donc, y compris dans l'air mouillé. Et partout où il faudrait pas rouler avec une RC. Mais voilà, je m'amuse comme ça. Donc, j'ai monté ça et ça va bien. Ça va très bien même. Châssis à alu, je crois que c'est du 2,5 ou 3 mm le châssis. Donc ouais voilà, en soi c'est pas déconnant, je l'avais payé 230€ avec les deux batteries 3300mAh 3S. Donc non franchement c'est. Voilà, pour le prix c'est pas déconnant. Pour une première je dirais que. Pour une première c'est pas si mal à part les pannes que j'ai eues liées à des défauts de. Voilà, aux défauts de montage à l'usine. Sinon ça va bien. Allez, on va passer à la suivante. Hop. Et la suivante, c'est quoi? Eh ben la carrosserie n'est pas dessus. La suivante, c'est Momo. C'est Momo 4S. La carrosserie, bah, je vais vous la montrer parce que vous la connaissez, a priori. Hop. Alors, qu'on le mette bien. Là, voilà. Momo 4S. Bah ceux qui vont sur Facebook et chez Alsace Body RC, sur le groupe Alsace, Mani, etc., Arma aussi, vous avez dû voir des photos de l'engin pour la simple et bonne raison que voilà, la carro vient chez Alsace Body RC et j'en suis mais ravi. Et vous allez comprendre aussi après pourquoi j'ai besoin d'une carro renforcée. C'est pas forcément parce que je fais l'abruti avec, même si bon, je le ménage pas. Mais vous allez voir, je vous en dis pas plus tout de suite. À l'intérieur de la carrosserie, donc j'ai mis tout l'équipement d'origine du Moyaf 4S et vous verrez que voilà, j'ai découpé en fait l'espèce de cache qui est à l'intérieur. Là, je l'ai découpé, j'ai mis du filet justement là comme ça, du filet de moustiquaire en fait. Voilà. Comme ça, c'est mieux aéré et le petit réseau de câbles que vous voyez dedans, c'est parce que j'ai monté devant.
juste là, une barre LED, et derrière, là vous n'allez pas bien les voir, mais il y a deux petites LED, donc ici rouge, et ici rouge aussi. Une fois que ce sera allumé, vous le verrez beaucoup mieux. Voilà. Et en fait, on va très vite passer au run, parce que le dernier en date que je me suis acheté, il est un peu là. Un peu là. Il y a de partout. Ouais, je l'ai mis en pièce. Il a besoin d'une grosse révision. En fait, j'ai flingué le moteur. Le moteur, il est là. Voilà. Obi-Wan Run 4278 G2 avec capteur. Et le problème, c'est que le rotor, il a rendu l'âme. Voilà, j'ai toute la bande de téflon là qui est parti, qui a fait un peu des nœuds là-dedans, là, les restes sont par là, voilà, si vous voyez bien. Et ça faisait un bruit bizarre, j'ai cru d'abord à un problème de différentiel, parce que ça m'arrivait en plein vol en fait. En plein vol, bon je m'amusais à faire la broutille là par contre avec. Je l'avais monté les roues du Mojave K13 pour avoir beaucoup d'inertie dans les roues, et je faisais des saltos, et je crois que au 6 ou 7ème salto, sur un coup de gaz, d'un seul coup, plus rien. Ça a bloqué. Retour au sol, ça tournait, mais très mal. Et ouais, ça faisait un bruit un peu de différentiel, je dirais. Mais c'était pas le différentiel. Hein, c'était. Enfin, au fur et à mesure du démontage, j'ai commencé par l'avant, là où je pensais qu'il était le problème. Pas du tout. Du coup, je me suis dit, bah, c'est l'arrière. Pas du tout. Le central non plus. Et c'est là que j'ai découvert, c'était le moteur. Donc, c'est un Senton 6S, au fait. Hein, je vous ai pas dit, mais. Senton 6S. J'ai pas mal amélioré, le châssis qui était bien fatigué, j'ai mis un TLR, Typhon TLR. Donc le variateur c'est un Max 8 G2, le servo c'est un DS Power, je peux vous dire combien il fait, je crois qu'il fait 25 kg ou 35, enfin bref quelque chose comme ça. Bon sur le châssis c'est rien de plus. Du reste, j'ai mis des tourelles d'amortisseurs TLR, mais j'attends des tourelles d'amortisseurs de chez RC Baiji. Je sais qu'il est un peu en difficulté en ce moment, mais voilà, j'attends ça gentiment, à l'avant, à l'arrière, et quelques bricoles aussi, donc en carbone, pour améliorer tout ça. Et puis voilà, il n'y a rien de plus à dire. Bah si, la carrosserie, forcément, la carrosserie du Senton. Ma superbe carrosserie de 205, j'en suis mais tellement content. Elsass Body RC aussi, bien évidemment. Bon là, elle est un peu nulle au niveau déco. Je l'avais fait une déco d'abord GTI, puis ensuite T16 avec une rampe de phare devant. Là, j'ai tout abandonné. Le temps de remettre tout ça au propre. Là, vous voyez, c'est le pare-choc arrière. J'ai mis des petites bavettes. À l'avant, il y a des petites bavettes aussi. Voilà. Bon, j'en suis déjà à 18 minutes de vidéo. A priori, j'ai encore de la batterie, et ben on va continuer comme ça. Hein. Donc ouais, ce Senton, sinon, bah, rien de plus. En amélioration, j'ai mis du Scorch Parts là pour les passages de roues. Je le roule pas avec des roues de Short Course, je les roule avec... voilà, je vais vous montrer un peu les roues avec lesquelles je le roule. C'est des roues chez Hobitech. Hein, je sais que, bon, il y en a beaucoup qui crient auprès d'Hobitech, etc. Après, moi ce que j'en pense, c'est qu'ils font aussi pour un budget sympa, et avec les moyens qu'ils ont, forcément, c'est pas forcément pour faire du bash, quoi. Je pense que c'est pour s'amuser à petit prix. Mais par contre, bah, qui dit petit prix dit bah, on roule pas pareil qu'avec des grosses machines, quoi. Enfin bon, revenons-en aux pneus. Donc je trouvais les jantes sympas pour aller sur une 205. C'est pour ça que j'ai pris ça. Là, c'est les roues type terre. C'est les HT, c'est marqué dessus, je crois. C'est marqué là. HT454. Ça va plutôt bien, franchement. Un peu partout, en fait. Hein, dans l'herbe, sur le bitume, sur piste poussiéreuse, etc. Sur le bitume, par contre, faites gaffe. Moi, au bout de 3 pas, que je les ai fusillés. Je vais vous montrer ça. Excusez-moi pour la caméra, là. C'est peut-être pas forcément bien. Il me semblait que je les avais gardées ces roues. Bah non, je les ai mises, je sais pas, quelque part par là. Bon bref,
Voilà, les roues Hobitech. Donc ça, c'est les terres. J'aime beaucoup. J'utilise aussi les Maxi Cross avec des gros crampons. Ça va super bien aussi. Ça accroche plus, hein, forcément. Mais ça va super bien. C'est les mêmes qui sont montés sur le Road Buggy. Le nouveau Road Buggy là, de chez Hobitech. C'est les mêmes. Hein. Voilà, je le dis simplement. Simplement, elles ont les jantes blanches et je trouve que sur la 205, ça va merveilleusement bien. Et les dernières de la série Hobitech. Toujours les mêmes jantes. Mais ce coup-ci avec des petits picots. Des petits picots. Et c'est sur celle-ci, vous voyez, il y a des petites traces de colle. Enfin, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des petites traces de colle. Et c'est sur celle-ci que bah forcément, moi je roule en dessus avec la 205, donc c'est 4 ou 6S. Et en 6S sur un saut, bah, fou, le pneu il s'est retourné. Voilà. Donc bon, j'ai enlevé tous les graviers dedans, j'ai tout recollé. Ça a l'air d'être pas mal encore. Donc je continue à les utiliser telles quelles. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin d'une carrosserie incassable. On va prendre Momo. Là. Voilà. Momo. Si, je vous ai pas dit ce que j'avais fait sur Momo comme amélioration. J'ai fait quoi? Donc c'est un combo 6S dedans Spectrum. Bah ouais, le combo 6S de chez Spectrum, hein, vous le connaissez tous, je pense. J'ai mis des ventilateurs sur Passobi sur le moteur parce que bah, mine de rien, comme je roule un peu fort avec surtout quand l'herbe ça glisse là on a tendance à appuyer un peu trop donc ça a tendance à chauffer donc voilà ventilateur ça va bien transmission centrale en alu avec le palier en alu aussi pas celui qui est d'origine bah, forcément mais celui qui est monté sur la gamme 3S. J'ai changé le cerveau aussi, donc c'est un fameux 3 mâts, non, c'est un 35 kg. C'est DS cerveau celui-là, 35 kg. Ça va bien, c'est un cordless. J'ai changé aussi le sauve-cerveau, parce que le sauve-cerveau d'origine c'est un 23T, le cerveau là c'est un 25, donc j'avais pas le choix, fallait changer le sauve-cerveau et j'ai monté du GPM. C'est peut-être un peu mieux que l'origine, mais c'est pas merveilleux. Hein. J'attends un retour de, je crois, c'est Breezer qui a dû monter un hot racing sur le sien. Eh, t'as fini toi? C'est pas tout de suite que tu vas jouer, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Oh. Donc j'attends un retour de Breezer qui devrait nous dire un peu plus ce que donne ce hot racing. Je crois que c'est Breezer, hein. Je crois pas que ce soit RC en PLS qui a monté ça. Bref. Sinon, toutes les rotules en alu parce que ça se bouffe à vitesse grand V. Les ressorts, je crois que c'est Coralie Kagama, si je dis pas de bêtises. Quoi d'autre? Ouais, j'ai monté une mousse au fond du bac à batterie là, tout du long. J'ai bavuré un peu. Ouais, enfin, sinon rien de particulier là-dessus, je crois. Hein. Si j'ai monté les bavettes, bah là vous les verrez plus parce que voilà. Je crois que c'est les chiens qui sont passés par là, c'est celle la surprise, vous allez voir. En tout cas, j'en suis hyper content. Je suis jamais tombé en panne avec. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. J'ai eu une casse sur un triangle, mais voilà, parce que si j'ai cassé, c'est ma faute. Mais sinon, vraiment. Bon, j'ai vu que la caméra s'était éteinte. J'espère qu'il n'y a pas trop longtemps qu'elle s'est éteinte, parce que sinon, je parlais dans le vide. Donc, ouais, je disais, Momo 4S. Les améliorations, donc l'arbre de transmission centrale en alu sur AliExpress. Le palier pareil sur AliExpress, le petit palier avec le roulement. Le combo c'est un 6S de chez Spectrum. Le cerveau 35 kg, c'est un DS cerveau, cordless. Le sauve-cerveau c'est un GPM, c'est un peu mieux que l'origine je trouve, mais c'est pas encore fabuleux, je le trouve très mou. Toutes les rotules sont en alu. Les ressorts c'est des Coralie Kagama si je dis pas de bêtises. Huile à l'arrière, je crois que j'ai mis de la 800. Devant de la 650 ou l'inverse, je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Des petites bavettes à l'arrière, mais qu'on voit plus parce qu'elles ont été bouffées. Et je pense que j'ai fait le tour. Et ouais, donc je disais, c'est franchement, je suis jamais tombé en panne avec ça. Il va super bien. J'ai pété un bras à l'avant une fois, mais c'est tout. La chose que je pourrais dire quand même, c'est que les bras. Ils ont tendance à prendre, en tout cas à l'arrière, vous voyez, ils ont tendance à prendre pas mal de jeu en fait. Hein, c'est le regard qui est dedans pour l'axe là, qui est.
qui prend du jeu. Bon, j'en ai d'avance, tant que ça roule, c'est très bien. Sinon, franchement, voilà, j'en suis très content. Bon, vous voyez, il est plein de pierres parce que je le roule comme ça, je le souffle simplement à la fin de la sortie et ensuite j'arrête. Allez, assez causé dans l'atelier, on va monter les batteries dedans. Les batteries, c'est des Gen Z 5000 bashing 60C. Je sais pas ce que les autres ils ont, moi j'ai ça, je trouve que ça va bien. J'ai tout acheté, je veux pas faire de la pub, mais j'ai tout acheté, donc le véhicule, les batteries, bon le combo je l'ai acheté d'occasion parce que le neuf c'est trop cher, mais je m'équipe souvent donc chez RC Fast Car. Les huiles aussi je prends chez lui. Et c'est super parce qu'on a les. On a tout très rapidement, franchement. Même si là ces derniers jours, comme dit Manny, hop là. La Poste et Mondial Relais, ouais, ils sont pas au top là. Je vois, j'ai envoyé un colis à Manny, ça va faire une semaine et en fait il l'a toujours pas reçu quoi. Mondial Relais. Et la Poste, là c'est Manny qui m'a envoyé un truc il y a une semaine et que j'ai pas reçu non plus. Enfin bref. Ouais, alors vous voyez ça, là, j'essaye toujours de les caler pour pas que ça vienne se prendre dans la transmission centrale. Ce serait ballot. Allez, la radio, bah, je vais garder la radio d'origine sur celui-ci. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hop. Allez. Allez, on va allumer les petites loupiottes. Alors, un détail sur ces loupiottes quand même. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes... Ils sont là. Hop là. Donc, vous allez voir les petites lumières à l'arrière, là, rouge. Je trouve que ça va bien et ça se loge vraiment tout pile dans le... dans les emplacements d'origine. Je les avais montés à la base sur la carrosserie d'origine, pour dire. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Je finis d'installer les agrafes. Donc je rappelle la carrosserie Elsass Body RC. Hop là. Allez. Lumière rouge derrière. Ça y va super bien comme un gant. Franchement, j'adore. Et pour le devant, et c'est là la petite astuce. Avec la radio d'origine, j'ai pas de commutateur, rien du tout. Et avec la radio d'origine, si on appuie, vous allez pas bien voir, si on appuie en fait, vous avez la petite manette là, enfin le petit truc là. On peut aller en haut et en bas. Je crois que ça sert pour les fins de course. Et en fait, si vous faites haut, bas, ça s'allume. Haut, bas, ça s'éteint. Si vous faites bas, haut, ça marche pas. Faut faire haut, bas. Et là, ça s'allume. J'ai découvert ça, c'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Allez. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi la carrosserie incassable. Oui, les louloutes, oui. Hop. Elles attendent que ça. Voilà. Hop, allez. Oup là, allez, premier tournement. Voilà, il y en a, ils emmènent leur chien en balade. Hop là. Allez, on y va. Moi je les emmène pas en balade, je les fais courir dans le jardin. Et comme elles sont pas trop mauvaises, il y a des fois où elles arrivent à le choper. Ah mais il accroche plus qu'hier, hier il accrochait pas autant. Hein. Hier l'herbe était un peu plus humide. Et je me retournais moins facilement. J'étais un peu plus joueur. On va faire un peu plus attention du coup. Allez, elle chope les roues. Hein. On va faire attention à mes... Hop. Mais eux. Mais eux.
Voilà, donc de temps en temps elles arrivent à choper soit la carrosserie, soit les pneus. La 205 on a fait les frais. Ah, elle est là. Ah, ils ont compris le truc, elle la pousse sur le côté pour me mettre en travers et puis ensuite. Bah oui hein. Oh boum. Ouais, c'est aussi pour ça la carreau incassable. C'est parce que je sais pas conduire. Bon, les pneus sont morts dessus, hein, donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop qu'elle les morde. Hop, D'ailleurs, les seules roues que j'ai trouvées pour les remplacer, bah, c'est les roues d'origine, mais c'est 40 balles la paire. Parce que donc c'est du SC 1/8. Les roues de buggy 1/8. Sont généralement autour de 115 de diamètre. Non, on va pas y arriver. Donc je disais, les roues de buggy 1/8 font 115 de diamètre. Les roues de SC type UDR ou Mojave 6S, ça fait plutôt 135. Et les roues de Momo 4S, hop là, ah oui, si tu essayes de grimper le toboggan, ça va pas marcher. Et les roues de Momo 4S, elles font 125, et ça, il n'y en a pas partout. Il y en a même pour un finir nulle part. Bah ouais, hein, ça accroche trop encore.
Ouais, donc vous voyez, je ne déménage pas, hein. D'ailleurs, je roule un peu comme un CONARD. En tout cas, je m'amuse bien. Je crois qu'au fond, c'est quand même ça le principal. Ouais, dans l'herbe, ça freine bien l'herbe haute, hein. J'adore cet endroit là parce que du coup, on accélère un peu, on pique du nez et ça tourne tout seul. Vous voyez, j'ai un terrain de jeu assez sympa en fait, hein. Ah, je crois que je commence à plus avoir de batterie. Ah! Ah bah là. Ça, c'est fait. Ah bah ouais, ils sont fatigués là. Hein. C'est un peu le but aussi. Allez, fais des tonneaux. Et ça repart. Hop là. Allez, on va finir le match tranquillement. Je vais vous laisser. Ah bah là, ça c'était pas voulu par contre. C'est le problème d'avoir les choses en plein milieu du jardin. Mais vous voyez, quand je dis que c'est costaud. C'était une balle. J'aurais dû m'y prendre un tout petit peu plus tard pour la faire la vidéo, ça commence à peine à glisser là avec la rosée. Et moi c'est ce que j'adore sur ce circuit. Hop. C'est justement de faire partir dessus. Hop là. Sans la fin.
Allez, c'est la fin. Bon, les fifous, j'espère que la vidéo vous aura plu. En espérant que ce soir ça aura marché et que ça aura pas pris des photos. Sinon, je vais m'énerver. Allez, on va remettre tout ça à l'atelier. Enfin, non. J'ai mon second atelier à l'extérieur. C'est la belle niche que j'ai construite pour les toutous. Allez. Voilà. Ouais, on n'y laisse pas les doigts, mais ça va. Hein. Hop. Allez. Et ben, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas quand la vidéo sera diffusée, si elle est diffusée un jour. C'était Rolos. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Allez, la bise, ciao !